j'y arriverai jamais. Ça fait 2 heures que je suis sur la guitare et ça marche pas. Attends, il a dit quoi là? Deuxième corde, quatrième case. Ça fait 20 ans que je fais de la guitare, tu vas pas commencer à me dire que c'est comme ça qu'on fait. Mais c'est pas possible, il ne me reste plus qu'un mois, mon Dieu, je n'y arriverai plus jamais. Rhabille-moi le pied, rhabille-moi le pied. J'en peux plus, j'en peux plus. Julie, toute la journée avec sa guitare et internet. Billy Boy qui s'appelle, ils me font chier tous les deux. Mais moi les dingues, je le soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux 4 points de Paris qu'on va le retrouver, éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je ne retiens plus. Dynamique, j'usperce et je ventile. Voilà. Hey, salut Internet, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose le morceau Creep du groupe Radiohead, sorti en septembre 1992 sur l'album Pablo Honey. Mais avant toute chose, juste un petit truc, te demander éventuellement si tu pouvais aller sur mon SoundCloud au nom de Billy Boy ou Clément Charabot, enfin bon, tu vas voir dans la description, me dire ce que tu penses des morceaux que j'ai autoproduits en studio, et aussi sur la même chaîne Billy Boy, voir les autres morceaux que j'ai pu composer, et si tu aimes, de partager, parce que moi aussi j'ai un projet, c'est de devenir musicien. Voilà. Donc si tu pouvais m'aider, voilà, pour un petit coup d'œil ou un petit coup d'oreille, ça serait vachement simple. Merci à toi. Pour ce morceau, voilà comment nous allons procéder. Je te propose l'ensemble des accords, ensuite comment on les dispose, une petite interprétation, et puis les conseils de jeu. Si tu as besoin de t'y retrouver dans la vidéo, parce qu'il y a un passage que tu préfères qu'un autre, va dans la description, je t'ai mis tous les timers. Maintenant, si tu es prêt à faire des barrés tout du long, que tu as une feuille, un crayon, une guitare, 6 cordes bien accordées, eh bien on va pouvoir commencer. C'est parti. Ah, et j'oublie un truc, c'est une demande de bonjour. Donc, bonjour, si tu vois cette vidéo, elle est un peu pour toi, quoi. Hey! Alors, pour ce morceau, tu vas avoir besoin obligatoirement de cette compétence qui s'appelle faire le barré. Il y a des versions qui existent où je mets un capodastre, quelque part sur le manche. Ensuite, je joue des accords qui ne sont pas ceux que tu entends, mais qui permettent d'accéder au morceau un peu plus facilement. Moi, je t'invite à faire cette version-là parce que c'est, on va dire, celle d'origine et c'est celle qui se rapproche donc le plus exactement des sons que tu peux entendre et qui offriront aussi une plus grande richesse au niveau de ton oreille si jamais tu joues tout seul. Voilà. Donc, l'exercice principal, c'est de faire des barrés. Pour ce morceau, tu vas avoir besoin de 3 accords qui vont toujours être les mêmes. Non, 4. Allez, soyons dingues, 4. On va faire un sol majeur. Un si majeur, un do majeur et un do mineur. Voilà. Et c'est là l'ensemble de tes morceaux dont tu vas avoir besoin pour tout le morceau. Alors concrètement, pour le sol majeur, par exemple, tu vas faire ton barré en 3e case. Okay? Donc il va falloir que tu pinces l'ensemble de tes cordes. Tu vas poser ton majeur en 3e corde, 4e case. Ton annulaire en 5e corde, 5e case. Et ton petit doigt en 4e corde, 5e case. Voilà. Et là, tu as un sol majeur barré. La troisième case en 6e corde, ou la 6e corde en 3e case. C'est un sol, c'est donc ta tonique, ta basse. Maintenant que tu connais cette position, il va falloir que tu la joues tout le temps. Reste à savoir où tu poses ton accord. Alors là, on est en 3e case. Tu gardes exactement la même position. Tu vas décaler le tout vers la 7e case. Et tu grattes de la même façon. Les 6 cordes. La 6e corde, en 7e case, c'est un si, c'est donc ta tonique, ta basse. Cet accord, tu vas le déplacer d'une case vers la caisse, tout simplement. Là, tu vas avoir une position de do majeur. Parce que la 6e corde en 8e case,
apprends à faire des additions, mon club. C'est un Do. C'est donc ta tonique, ta basse. Et enfin, si tu enlèves ton majeur, mais tu ne bouges pas la main, tu enlèves seulement le majeur, tu te retrouves avec un Do mineur. Ok ? Donc là, tu as l'ensemble de tes accords que sont le Sol majeur, le Si, 7e case, le Do majeur, 8e case, et le Do mineur, 8e case, en enlevant le majeur. Voilà. Et là, tu dois même, en jouant ça, tu dois repérer le morceau tel qu'il est. Là-dessus, tous les accords vont durer 8 ans, et ce, tout le temps. Ce qui va jouer dans ton interprétation, ça va être la façon dont tu vas gratter tes accords. Et ça, on verra ça après. Donc, si je fais les temps, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et tu vas tourner tout le temps. Ce qui fait que là, dans mon explication de la musique, techniquement, je m'arrête là. Ce qui va faire, ce qui va jouer plutôt, c'est quand on va voir l'interprétation, comment le jouer. Mais c'est tout ce que tu as à savoir sur ce morceau. Ouais. Donc ça me fait un peu bizarre de m'arrêter là. Mais du coup, tout ce que je te propose, c'est une interprétation. Et puis ensuite, on fait les conseils de jeu. Et effectivement, tu vas me dire, ouais, mais peut-être comment on s'y retrouve au niveau du texte. Tu n'as qu'à faire tes accords 8 ans. Après, il faut que tu connaisses la mélodie vocale. Mais si tu respectes tes 8 ans à chaque fois, tous tes accords toujours dans le même ordre, finalement, ton morceau, il est comme ça. Et tu vas t'y retrouver tout naturellement. Et ben c'est parti pour la petite interprétation. Voilà, en espérant qu'elle te plaira. Et puis, on reviendra sur tous les petits détails après. Ok ? C'est Marie, on est toujours là, oui. Ah, c'était le côté fête foraine. Bon, échauffement du poignet. Like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell I'm doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want perfect body. One perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm doing here.
makes you happy. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell I'm doing? Don't belong here. I don't belong here. Ça fait un peu mal quand même. Hein. Alors, les petits conseils de jeu. Voilà, ce morceau, ce qu'il a de compliqué dans l'ensemble, c'est que si on reste sur cette version à faire les barrés et à monter tout du long, ça va être hyper éprouvant au niveau du poignet et de l'avant-bras. Donc ce qu'il faut, c'est que déjà avant de la jouer, il faut avoir quand même assez bien échauffé ses muscles, ne pas avoir joué tout et n'importe quoi avant pour justement garder les muscles chauds et pas trop en difficulté, parce que la crampe, entre guillemets, elle peut venir assez vite, surtout si tu ne joues pas de guitare au quotidien. Donc là, face à cet effort, ton muscle risque de tétaniser assez facilement. Donc, bien travailler, et surtout faire un bon échauffement avant. Alors, peut-être que pour le début, afin de te faciliter un petit peu la tâche, c'est que plutôt que d'attaquer sur tout l'ensemble de tes cordes, c'est-à-dire en faisant ça, eh bien, peut-être juste t'occuper des basses et des médiums, c'est-à-dire la 6e, 5e, 4e et 3e. Comme ça, ça t'évite de trop flinguer ton avant-bras, ton doigt, ton index, comme ça il n'est pas fatigué trop rapidement, et de sorte que tu aies quand même suffisamment de notes pour pouvoir balancer quelque chose quand même. Après, effectivement, étant donné que ton dernier accord c'est un do mineur, là il va falloir faire le barré. T'es obligé de faire ça. Voilà. Au niveau du balancier, alors si je parlais entre croche, demi-croche, je vais pas y arriver. Ce que je t'invite à faire, c'est d'écouter la rythmique et de pouvoir te la chanter à toi-même. Et la rythmique, elle fait c'est quelque chose, avec des petites variantes, des petits coups ici et là. Mais le cœur, c'est vraiment ça. Donc pour pouvoir faire ce truc-là, il va falloir que tu te dises, il y a des temps forts quand je vais vers le bas, et aussi quand je vais vers le haut. Donc il faut absolument que tu sois souple sur le poignet, et que tu ne contractes pas comme ça. Tu n'es pas en train de couper du bois. Et quand tu remontes, choisis les cordes que tu joues pour laisser le maximum d'humeur possible à ton oreille. Parce que si tu joues toujours les mêmes cordes, avec la même force, mécaniquement ça va être moche et pas du tout intéressant. Donc quand tu joues, tu es là, comme ça c'est tranquille. Tu vois, moi quand je veux faire sonner les aigus, je pars en arrière. Petit aller-retour. Donc on va dire les trois premiers coups c'est du tac 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 histoire de lancer, et après quand je veux aller sur les aigus pareil, et un petit aller-retour. 1 2 1 1 1 2 1 1 tac 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 1 2 1 1 tac tac 1 2 1 1 Voilà, c'est ça le truc. Après, effectivement, il y a ce petit coup à la fin du pour donner un petit coup de fouet. Voilà. Mais la rythmique, elle est ici. Tac, 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 tac. Et comme tu laisses ton poignet s'aventurer, effectivement, ça ne va pas être strictement ceci. Mais ce qui compte, c'est que tu aies au moins cette,
ce truc central, ok. Et puis, comme le texte, les accords, c'est toujours la même chose et toujours la même rythmique, le début, tu n'y vas pas trop en force pour laisser rentrer le texte. Ce qui compte, c'est qu'au premier refrain, c'est là où tu peux bombarder. D'ailleurs, sur le début, tu n'es pas obligé de jouer toutes les cordes. Hein. C'est au refrain où là, tu bombardes absolument partout. Donc, tu fais un gros balancier de tout l'ensemble. Tu chantes, tu chantes, tu chantes. Et quand tu reviens au second couplet, là, tu reprends à peu près la même mécanique du premier. Mais à la différence, c'est que tu reviens avec un peu plus de force qu'au premier. Parce que tu ne peux pas te permettre, enfin si tu peux, mais tu ne peux pas te permettre d'être au niveau 2. Tu montes au niveau 8, tu reviens au niveau 2. Ce qui sera intéressant, c'est que tu sois au niveau 4. Comme ça, on est toujours dans une conduite. Étant donné que tu es tout seul et que tu n'as personne pour t'appuyer à côté, comme ça, à l'écoute, on ressent qu'il s'est passé quelque chose au refrain et qu'on ne redevient pas à l'origine du morceau comme des petits fœtus, comme un enfant qui grandit. Voilà, tu n'es pas en train de grandir pour redevenir bébé. Non, là, tu reviens quand même un peu en force. Tu t'es quand même constitué quelque chose. Et puis après, tu chantes, tu chantes, tu chantes. Il y a le second refrain, boum, tu reviens à ton niveau 8, et suite au refrain, tu as effectivement cette explosion avec « She's run, run, run ». Là, si tu as encore de la force dans les bras, bah, tu redonnes derrière, tu relances, comme ça, ça va bien exploser, mais certainement pas redescendre. Tu ne peux pas faire le refrain énervé, et puis redescendre, et puis avoir quelque chose de petit derrière. Tu es obligé, quand tu dis « She's run, 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 run », tu es obligé de lancer. Et après avoir fait cette partie-là, là c'est le moment où, qu'est-ce qui se passe? Stupéfaction, tout le monde est ému, il s'est passé quelque chose, hein, oulala. On revient au calme, et quelque part tu reviens sur tes premiers propos en disant mais qu'importe ce qui te rend heureux, qu'importe ce que tu veux, t'es vraiment spécial et j'aimerais être spécial comme toi, quoi. J'aimerais être digne de ta beauté et compagnie. Donc là t'es un petit peu larmoyant, t'es un petit peu... J'ai tout dit, j'ai tout lâché, tout mon cœur s'est exprimé. Je reviens à ce que j'étais et j'espère que ça ira, quoi. Mais j'espère qu'elle aura apprécié ce que je lui ai dit. Voilà, c'est surtout ça. Donc, vois-le comme ça. Une rythmique principale et comprends le propos du texte et comprends la dynamique. Et dans l'ensemble, après, ça sera super sympa. Et surtout, l'échauffement, ça, c'est le principal. Voilà. Bon, bah, je crois que j'ai tout dit. Donc, si tu as des questions, tu n'hésites pas dans les commentaires. Je reviendrai du Indochine et compagnie, mais c'est vrai que c'était le camarade Bonjour qui me l'avait demandé, donc bon. J'ai entendu des demandes concernant Cabrel, aussi Indochine, la machine à rattraper le temps, donc je vais faire ça, je vais voir comment je peux apprivoiser mon quotidien si j'ai pas trop de trucs à faire, et je partirai sur le morceau le plus simple. Voilà, bon. Et bien avec tout ça, je te souhaite une bonne fin de journée. J'espère que tu es heureux, heureuse, amoureuse et que tout va bien de ton côté. C'est le week-end, donc repose-toi bien, prends des forces. Bon courage pour lundi, parce que mai, il n'est pas encore là. Hein, il n'est pas encore là, il n'est pas encore là. Puis là-dessus, ben, j'espère te dire à bientôt. Profite de la vie. Et puis va dans la description si tu peux jeter un œil sur mes petites compositions. Voilà, voilà. Lundi à une prochaine. Ciao. But I'm a